Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, j'ai eu une sorte de révélation. Ça fait quelque temps que comme ça, je me dis qu'il y a un truc qui tourne pas rond, que l'histoire est pas tout à fait juste. Et je me suis mis dans l'histoire de la colonisation de l'Amérique, la colonisation par les Espagnols. Et en fait, je pense qu'on ne raconte pas la bonne. Il y a eu déjà plusieurs colonisations avant, peut-être. Mais en fait, on n'en a retenu qu'une, on a retenu depuis Christophe Colomb qui débarque comme ça en Amérique. Mais quelles étaient ses motivations? Alors lui, il voulait explorer un peu, faire du commerce peut-être. Mais après, il y a des gens qui ont colonisé, qui ont détruit une civilisation, qui ont massacré des gens, qui ont mis en esclavage un continent entier. Et ça, j'ai jamais trop compris pourquoi. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, ah ouais, quand même. J'ai compris le mécanisme qui fait que, waouh, on peut se faire embrigader là-dedans. Tu donnes le doigt, on plonge tout. Et en fait, tu y es pas. Et c'est pas la nature humaine, c'est pas. Et justement, il y a eu plein d'autres colonisations avant. Je disais, notamment aussi, je trouve un des exemples intéressants, c'est la flotte des trésors, les Chinois qui avaient fait une énorme flotte de 200 navires de 60 mètres, des trucs bien gigantesques. 200 navires et sont partis explorer le monde entre 1403 et 1419. Alors je ne sais pas s'ils sont allés en Amérique ou comme ça, mais en tout cas ils ont vu beaucoup beaucoup de choses. Ils ont exploré, mais ils n'ont jamais mis en esclavage un continent. Ils n'ont jamais massacré les populations qui croisaient. Comment on en est arrivé là? Comment est-ce qu'en fait on a fait ce génocide de, je crois, 90 millions de personnes sur le continent américain par les Espagnols qui ont débarqué là avec Cortés? C'est depuis là que tout a foiré. Alors là, j'ai compris. Et en fait, c'est le même principe, un même principe universel qui est bien favorisé par le fait que nous sommes en démocratie. Sinon, ça ne marcherait pas. Si on était déjà en esclavage, on le remarquerait, on se révolterait. Mais là, on nous dit qu'on est en démocratie et du coup, on ne voit pas ce petit mécanisme, cet équilibre. Là, en fait, ça va même jusque dans ta propre vie. Pourquoi est-ce que le matin, tu dois te lever pour aller bosser? Pourquoi est-ce que tu te fais violence comme ça, tu te dis, bah, y a des gens qui font le boulot qu'ils aiment et tout, puis il y a des gens qui sont embêtés, qui ne font vraiment pas un boulot qu'ils aiment, et je pense que ça fait quand même pas mal de monde aussi. On doit se battre pour survivre, alors qu'en fait, on pourrait vivre, on a de l'abondance partout. Mais il y a un petit principe qui fait que non, c'est pas possible. Alors, je sais pas d'où ça vient, c'est aussi assez bien ancré dans notre cerveau. C'est pas la nature humaine, mais c'est la nature humaine quand même, d'une certaine manière. Donc, on hérite de ce système, on hérite d'une part à la naissance et on la lègue à nos enfants, à notre mort. Et puis toute notre vie, on croule dessous. Et ce principe qui nous met comme ça en esclavage, c'est la dette. La dette, bah j'en ai déjà beaucoup parlé en fait, puis on parle comme ça, mais là j'ai vraiment pris conscience de qu'est-ce que ça veut dire la dette? Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une dette par rapport à quelqu'un? Alors déjà, en allemand, on voit super bien, ça va à fond, à fond. Il y a un principe de culpabilité dans la dette. Ça se dit, en allemand, c'est Schuld. C'est une faute. C'est une culpabilité. C'est être redevable envers quelqu'un, être coupable, carrément. Donc tu comprends aussi pourquoi les Allemands, ils n'aiment pas être endettés. Puis, c'est un peuple qui, je crois qu'ils ont fait à peu près ce qu'on appelle trois fois des resets, comme on dirait maintenant, depuis le siècle dernier, en un siècle, trois fois, ça traumatise quand même quelques générations. Les hyperinflations, là, en 1923, là, pouf, tous ces billets qui servaient à rien. Et donc ça, c'est la dette aussi, parce que on crée de la monnaie par la dette. Donc l'histoire des bâtons de comptage, je l'avais déjà montré, où on enregistre des dettes, puis après on les fait circuler, hein, on échange des reconnaissances de dettes. Stock exchange, l'échange de souche, de la souche du bâton de comptage. Et puis en fait, on en arrive à une logique où on est emprisonné dans cette idée d'être redevable à quelqu'un, d'avoir. C'est si je vais boire un verre avec mes potes, il y en a un qui paye la tournée, et tu te sens redevable de devoir payer aussi. Et puis de retrouver cet équilibre. Et c'est là que je disais justement, la dette, ça fonctionne que quand on est égaux à la base. Dans les civilisations dans lesquelles il y a des très fortes hiérarchies, on ne peut pas faire
des échanges entre les classes. C'est à l'intérieur d'une même classe qu'on peut. Donc dans ces classes, en fait, en Inde, on voit ça aussi, avec toutes les classes qu'ils ont encore, qui restent malgré tout. Donc il y a les intouchables, ben, ils ne peuvent pas obtenir grand-chose. On n'a pas le droit d'aller commercer entre les hautes castes et les basses castes. Mais la démocratie, c'est le meilleur moyen en fait pour dire vous êtes tous égaux face au droit, donc vous êtes tous égaux pour contracter une dette. Et après, ben, c'est croire que le futur est meilleur. Et ce futur, en fait, forcément, il va être meilleur et on pourra s'en sortir mieux. Alors que c'est peut-être pas vrai. Ça va aussi dans la spirale dynamique avec l'étape orange, qui est l'étape vraiment de la vision du monde du capitalisme et autres, dans laquelle, ben ouais, la technique va permettre de résoudre tous les problèmes qu'on a maintenant. On va améliorer le monde. C'est vraiment une croyance dans laquelle le futur est une chance, une opportunité. Alors qu'il y a d'autres visions du monde où c'est pas du tout le cas, hein. Dans les sociétés traditionnalistes, on fait comme on a toujours fait, parce que c'est ça qui marche. Celui qui veut changer, il prend un risque de tout perdre. Tandis que ben, dans nos sociétés, on a en fond de ce truc vision du monde orange qui dit qu'on va faire de l'innovation, parce que c'est bien. Et l'innovation se fait en prenant un crédit. Et on a une dette. Et cette dette, ben, ça va être mieux plus tard. Puis des fois, ben, c'est pas mieux. Et on se met dans un cercle vicieux d'esclavage. Et c'est là que c'est dangereux. Alors je vais peut-être reprendre quelques histoires pour montrer aussi l'invention de ces trucs-là. Comment effectivement est-ce que les États-Unis sont apparus parce qu'il y a eu une colonisation à plusieurs niveaux depuis Cortés, depuis l'Amérique, depuis le Mexique, le Yucatan et tout ça. Donc je vais juste raconter juste après. Mais là, effectivement, dans notre cerveau, on est obligé d'être égaux. Des gens qui ne sont pas égaux ne peuvent pas contracter ensemble. Alors ça, c'est grâce à David Graeber que j'ai trouvé ça dans son livre D'être 5 millions d'histoires, où il aborde un petit peu ça. Il ne développe pas encore totalement, mais il dit justement qu'il y a des gens qui prêtent au roi, parce qu'il sait que le roi il va leur rendre, mais encore plus, parce qu'il montre qu'il n'est pas de la même classe. Et effectivement, si on veut vraiment faire une dette, un contrat équitable, on doit être déjà à la base sur un pied d'égalité. Et en étant sur un pied d'égalité, ben celui qui faute, justement en allemand le Schuld, celui qui faute, celui qui est coupable en fait, eh ben c'est une lourde peine et il doit rétablir l'équilibre. Alors c'est pour ça que déjà chez les Sumériens, on avait de l'esclavage pour dette. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à rembourser. Du coup, ils devaient mettre en gage quelque chose. Leur maison, quelqu'un, leur fille, leur femme, eux-mêmes. Puis après, ben, ils partent. Parce qu'ils vont ensuite deviennent nomades et ils font les razzias sur les villes. Et là, c'est intéressant parce que on nous le dit jamais ça, que la dette, en fait, c'est déjà un a priori. Il faut être égal, il faut être sur un pied d'égalité, sinon ça marche pas. Et puis cet équilibre qu'on va rechercher tout le temps entre humains, c'est aussi ce second principe de la thermodynamique qui fait que dans la nature, l'entropie va faire qu'on rééquilibre toujours tout. Sauf que là, on le rééquilibre d'une mauvaise manière. La dette, c'est un tellement outil moral dans lequel je dois rééquilibrer quand je suis endetté, je dois retourner à l'équilibre, que je suis prêt à faire tout et n'importe quoi. Je suis prêt à avoir un boulot de merde qui détruit l'environnement et des gens parce que moi-même, je dois me remettre à l'équilibre. Je suis prêt à aller envahir un continent entier, massacrer tout le monde, juste pour rembourser mes dettes de jeu. Voilà, ça c'est l'histoire. Le continent américain a été colonisé uniquement pour rembourser des dettes de jeu. Les dettes de jeu d'un gars qui s'appelait Hernán Cortés, qui était un Espagnol, qui était un joueur, ça on l'apprend dans les mémoires du conquistador Bernal Díaz del Castillo, qui a écrit tout un livre à l'époque, en 1500, je ne sais plus combien, pour expliquer comment Hernán Cortés avait colonisé illégalement le Mexique, on va dire. L'Amérique, il avait débarqué. Donc ce gars, il était endetté en Espagne. Il s'est engagé comme soldat. Il s'est dit, à l'autre bout du monde, ça ira mieux, on ne me connaît pas, pour éviter de rembourser ses dettes. Il est parti. Ils sont retrouvés en garnison à Cuba pendant un moment. À Cuba, ça se passait plutôt bien. Les gens avaient des relations correctes avec le Yucatan, pas très loin, avec les gens qui habitaient là-bas. L'Empire, avec la ville de Tenochtitlan, j'arrive jamais à prononcer, Tenochtitlan,
la capitale de l'Empire aztèque, par exemple. C'était l'Empire aztèque, les Aztèques communiquaient. Et Cortés, un jour, il a nouveau eu des dettes de jeu. Puis il a décidé qu'il fallait se barrer le plus vite possible. Donc, comme il était un petit peu gradé, mais pas beaucoup, il a décidé de prendre avec lui des soldats. Et illégalement, sans les ordres de ses supérieurs, il a décidé d'envahir l'Amérique pour payer ses dettes de jeu. Donc il a envahi l'Amérique tout seul ou presque, avec des armes et des soldats qui eux-mêmes étaient endettés pour payer leurs armes. C'est ça le truc, c'est la dette à plusieurs étages. Il y a un gars endetté. Pour se refaire, il va dire, on va là-bas. Et il prend avec des gens, il les endette lui-même en lui disant, les armes, vous pouvez les rembourser parce que le futur sera meilleur, on va conquérir un pays où il y a de l'or. Les gens y partent avec cet espoir peut-être d'avoir de l'or. Et à un moment donné, ils y arrivent. Et pour éviter qu'ils reviennent, ils brûlent les bateaux. Donc Cortés a brûlé les bateaux pour ne pas revenir en arrière. C'était vraiment un malade. Il avait un problème. Il devait fuir. C'était un fuyard parce qu'il avait des dettes. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre dans cette histoire qu'on ne nous raconte jamais. Et là, ils continuent. Ils arrivent sur le territoire américain. Ils négocient avec le grand chef aztèque pour pouvoir obtenir ce qu'il faut. Ça marche pas. Il y a toute une histoire avec un jeu que David Graeber nous raconte aussi dans son livre Dead 5000 ans d'histoire. On voit que c'est vraiment un joueur, parce qu'on a des archives qui le montrent. Et ils finissent par attaquer Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. Déjà, ils ont amené la variole, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'Aztèques qui sont morts, parce que c'est une maladie inconnue. Et ensuite, ceux qui ont survécu, ils ont dû se battre, et ils étaient assez peu armés, avec les chevaux, les autres, et ils se sont fait massacrer. Le grand empereur aztèque a été zigouillé. Et Hernán Cortés a gagné. Ensuite, ils ont piqué le trésor de l'Empire aztèque, donc il semble-t-il que là il y avait plein d'or, mais en fait, il n'y en avait pas assez pour que les soldats puissent avoir leur part. Donc certains ont été remboursés, donc ils auraient pu s'arrêter là, mais en fait non, il n'y en avait pas assez, donc ils ne se sont pas arrêtés là et ils ont continué la colonisation. Donc là, du coup, on a Cortés qui est endetté, qui veut se faire avoir. Qui embarque des gens avec lui illégalement et il massacre un empire. Et c'est pas suffisant, donc ils sont encore endettés et c'est cette motivation de la dette qui va toujours. Il faut qu'on rembourse ce qu'on a déjà obtenu. On nous a donné quelque chose et dont on doit rembourser. Hein, c'est ce que je dois rembourser la vie que j'ai reçue. Je sais pas, ça me paraît. Enfin voilà, la dette c'est un truc. Le futur sera meilleur, donc on va y aller, et on met en esclavage des gens pour rééquilibrer ça. Alors qu'en fait, c'est pas moral du tout non plus d'aller massacrer des gens et un empire entier. Et... Donc là, il y a encore une technique qui est assez incroyable, qui est très utilisée. C'est le fait qu'on va mettre un impôt. J'y reviens toujours. Si on utilise la monnaie, c'est parce qu'on nous l'impose. Elle est imposée par diverses formes d'impôts, redevances, taxes et autres, assurances qu'on est obligé de payer avec une monnaie qu'on ne maîtrise pas. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ces pauvres Aztèques, c'est qu'on leur a dit, eh mais on n'est pas assez riche, on n'a pas réussi à se renflouer, donc maintenant vous allez être endettés, vous allez payer un impôt pour nous. Puis la plupart des gens, ils n'étaient pas du tout dans le même système, ils ne pouvaient pas payer l'impôt. Alors on leur a dit, on vous prête l'argent pour payer l'impôt, mais en échange, vous devez travailler pour rembourser votre dette. Et là, c'est l'esclavage pour dette. On y revient. Et l'esclavage pour dette. Ils sont mis dans les mines et vont dans les mines d'argent et les mines d'or. Et c'est là qu'en fait, on déclenche toute cette immense colonisation par une succession de dettes les uns envers les autres qui fait que tout le monde doit rembourser à l'étage supérieur. Mais une dette, elle est tellement gigantesque, elle est croissante, parce qu'en plus, on peut y mettre des intérêts exponentiels. C'est mathématique, c'est une logique mathématique, l'exponentielle que notre cerveau n'est pas capable de comprendre. Nous, on comprend que du linéaire. Hein. J'avance d'un 2 dans un sens, je monte de 2. Ça fait une droite linéaire. Mais si je veux faire dans l'autre sens, l'exponentielle, moi, il n'y en a pas à comprendre. Donc déjà, notre cerveau ne comprend pas que quand on a une bagnole et qu'on se tape un mur, le choc, il est au carré de la vitesse. Déjà, ça, on n'arrive pas à comprendre. Puis après, il y a des équations qui sont aussi en exponentielle. Donc ça veut dire que c'est la population qui double chaque jour. Alors il a fallu 40 ans pour que les nénuphars recouvrent la moitié d'un étang en doublant chaque jour la surface.
En combien de temps est-ce que l'étang au complet est recouvert? Eh bien non, ça ne prend pas 40 ans, ça prend c'est demain. Si chaque jour ça double. Et c'est ça, c'est les logiques. Au début, on voit presque pas parce que l'exponentielle, elle ne grandit pas beaucoup, puis tout d'un coup, fou, on n'arrive pas. Et on a le PIB qui est un indicateur exponentiel. On doit faire un pourcentage plus que chaque année. Et le pourcent, c'est juste pour masquer l'exponentielle parce qu'on ne la comprend pas. Et ça fait qu'on crée des dettes gigantesques qui nous emprisonnent nous-mêmes. On se met dans cette prison, dans cette matrice où le monde est façonné à cette chose qu'on doit rembourser. Et donc là, le continent américain a été mis en esclavage pour pouvoir payer des dettes de jeu de Cortés. Et en plus, ça n'a pas marché. Le gars, il est revenu en Espagne et il n'a toujours pas payé ses dettes. Donc voilà, est-ce que ça valait la peine? Non, absolument pas. Massacrer tout le monde. Donc les Chinois, quand ils avaient fait la flotte des trésors, ils n'avaient pas de dettes. Ils étaient partis comme ça, exploration, visite. On veut voir le monde, on veut savoir ce qu'il y a autour. On n'a pas besoin. Mais c'est ce moteur de la dette qui a fait qu'on va massacrer des gens pour ça. Et ça, c'est pas nouveau. Je pense que la dette, on la trouve à tous les niveaux. Hein. David Graeber, là, son livre s'appelle Dette 5000 ans d'histoire, parce que c'est pas un truc très nouveau, ça fait 5000 ans. Mais je pense que les bases qu'on a en Europe d'un principe comme ça a été mis en place au XIIe siècle. À Venise, c'est ce que c'était l'invention des bons municipaux, ce qu'on a appelé ça comme ça. C'était en fait l'invention des obligations. Parce que les citoyens avaient l'obligation de payer un impôt, non pas sur maintenant, mais un impôt en avance. Donc une obligation, c'est un impôt en avance. Donc on y revient toujours avec une force supérieure qui a décidé de nous imposer l'utilisation d'une monnaie qu'on ne maîtrise pas. Et ensuite, quand ils n'arrivent même pas à faire avec ce qui est déjà là, on fait avec ce qui est à futur. Et on va se dire, le futur sera meilleur. Et donc on est forcé à le réaliser, on est forcé à aller au boulot tous les matins pour essayer de ramener quelque chose, de bosser, de trimer, de toujours plus, de trouver des stratégies de concurrence. Alors qu'en fait, si on était tous ensemble en abondance, c'est ce qu'on voit dans le jeu de la monnaie, le premier jeu, les gens favorisent l'abondance. On est tous ensemble, ça marche nettement mieux. Et ensuite, quand on se met en concurrence, on cherche l'efficacité, mais on est moins efficace. C'est ça qui est totalement paradoxal. Dans le bouquin Reinventing Organization de Frédéric Laloux, on arrive aussi à parler de quelque chose comme ça. C'est avec l'entreprise Burtzorg qui fait des soins à domicile. Bon, ça n'a strictement rien à voir avec tout ça, mais en fait, on voit que justement, quand on cherche l'efficacité, ce n'est pas forcément ce qui est le mieux. Dans les soins à domicile, il y a une tendance à maintenant, c'est qu'on doit rentabiliser toujours plus. Alors, on veut rentabiliser en comptabilisant le temps. Alors, mettre un bas de contention, ça prend 2 minutes. Ok, vous n'avez pas 2 minutes de plus. Vous devez aller faire ça chez cette personne, ça prend 7 minutes. Paf, vous n'avez pas plus. Et en fait, chez Burtzorg, ils ont pris ça dans l'autre sens. Ils ont dit, on a une raison d'être, c'est que les gens restent le plus longtemps possible à la maison. Et ils discutent, ils boivent le café avec les gens, et en buvant le café, ils sont plus efficaces. C'est totalement paradoxal, mais c'est vrai. Et c'est la même chose. Quand on cherche à être efficace avec un système économique à dette, on n'est absolument pas plus efficace, on est beaucoup plus mauvais. Et c'est horrible, et on s'en sort pas. Et on se met en place en concurrence. Donc ce que fait Burtzorg, c'est justement de dire, ben voilà, il y a la voisine qui peut passer 5 minutes par jour pour faire quelque chose. Ou alors, il suffisait une fois d'aller amener des gens chez le coiffeur parce qu'ils ne voulaient plus sortir parce qu'ils n'avaient pas une mauvaise coupe de cheveux. Et c'était tout simplement ça. Mais si on ne discute pas, si on ne prend pas le café, on ne le sait jamais. Et on va devoir se même revenir régulièrement. Alors qu'en fait, il n'y avait même pas besoin parce que c'était juste un problème d'apparence de se faire coiffer les cheveux une fois pour pouvoir ensuite s'occuper soi-même. Et du coup, nos amis vénitiens sont connus pour avoir armé des bateaux. Hein, on parle d'armateurs quand des gens qui s'occupent des bateaux, de les mettre en place. C'est un armateur parce que c'était armer un bateau pour aller coloniser, piquer des richesses à d'autres. Donc, au IIe siècle à Venise, les gens partent et ils ont ces bons, ces obligations, des bons municipaux. Qui sont là et ils fluctuent. Ils n'ont pas de délai. On ne sait pas à quelle date ils vont être remboursés. Donc il y a des gens qui se disent, ben, j'en collectionne plein parce que là, on nous miroite un grand succès.
Et puis tout d'un coup, ben, revers militaire, bam, oups, ben, je les revends tous. Et en fait, ces bons municipaux sont achetés et revendus et on commence à avoir vraiment une notion de bourse. Déjà au XIIe siècle, c'est une des premières bourses. Et David Graeber dit qu'en fait, cette bourse, elle s'est étendue à toute l'Europe assez rapidement et que beaucoup de gens ont compris que l'impôt en avance, l'obligation, était quelque chose de très sympathique à faire pour pouvoir vivre facilement, faire de la monnaie facilement. Et puis, il y avait déjà tout un commerce à l'époque au Moyen-Âge, à la Renaissance, qui a créé des grandes inflations. Et ce n'est pas forcément justement l'or et l'argent qui vient du Nouveau Monde, comme on dit, de l'Amérique, par l'esclavage, qui a enrichi les gens au point que justement la monnaie s'effondre parce qu'il y a trop d'argent et trop d'or. Non, en fait, il y avait même des pénuries en Europe parce que c'est les Chinois et la dynastie Ming qui avait décidé, encore une fois, un impôt. Et qu'il fallait payer l'impôt uniquement en argent, le métal, numéro atomique 47, donc de l'argent à fond. Et du coup, la Chine est devenue le principal importateur d'argent. Ils avaient un besoin en argent gigantesque. Et c'est aussi ça qui a fini par financer les campagnes des Espagnols, commencé par Cortés, qui avait mis en esclavage dans des mines d'argent beaucoup de gens, notamment les mines de Potosí en Bolivie, qui ont fourni énormément d'argent. Et il y a toujours des mines à Potosí maintenant, dans des conditions effroyables, des gens, des enfants qui sont dans ces mines. Et les gens doivent survivre. Alors quand on passe là-bas, on peut leur acheter un bâton de dynamite, ils sont super contents. Mais franchement, ça ne résout pas le problème. La dette, c'est vraiment une mise en esclavage complète. Et puis ben, les Chinois, là, avec ce système, c'est vraiment. On a eu à un moment donné des gens qui avaient un besoin énorme en argent et des gens qui ont mis en esclavage d'autres. Et qui ont trouvé un débouché pour tout cet argent qu'ils ont revendu directement en Chine. Au point même que, au début, ça passait par Séville, par l'Espagne. Il y a aussi toutes des comptabilités assez floues de titrisation de cet argent. Le roi recevait cet argent, mais en même temps, il n'en disposait pas. Il repartait directement en Chine et les banquiers génois, eux, ils faisaient des titres par-dessus pour faire du faux argent, de l'argent papier. Et puis comme ça, ils doublaient la masse. Et puis c'est pour ça aussi, ben justement, qu'il y a eu des problèmes d'inflation en Europe à cette période. Et ça, c'est encore assez flou et assez controversé parce qu'il y a eu tellement de magouilles qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais il y avait un fameux galion qui partait des Philippines parce que les Espagnols se sont dit que depuis les Philippines, c'était beaucoup plus simple. Donc il y avait un port d'Acapulco au Mexique où l'or et l'argent partaient, surtout l'argent qui allait directement aux Philippines. Donc il passait pas par l'Europe et depuis les Philippines, les Chinois, ils étaient livrés directement. Et ça s'est fait jusqu'au 19e siècle, hein. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'argent payé avec des lingots d'argent, les Chinois. Et jusque il y a une centaine d'années où ça a commencé à changer. Donc ça, c'est tout un système dont on n'est pas forcément au courant, mais qui continue encore et toujours et maintenant. Donc ça a commencé avec nos amis vénitiens. D'ailleurs, il y a une super histoire avec nos amis vénitiens et la quatrième croisade. Et puis, ben, le FMI fait toujours pareil, hein, maintenant de nos jours. J'y reviendrai. C'est un peu comme ça que je suis tombé dans cette histoire de monnaie, c'est en étudiant tout ça. Alors, la quatrième croisade, c'était intéressant, en 1202. Il y a des gens qui sont réunis sur le Lido à Venise pour partir en croisade. Donc c'est 4 ans avant le pape qui avait dit qu'il fallait aller récupérer la Terre Sainte aux musulmans, hein, comme à chaque fois. Bon, les lieux saints, voilà, on va les récupérer. Donc on réunit tous les chevaliers d'Europe et puis on va aller faire la guerre aux musulmans. Et puis ben, ils devaient payer le transport aux Vénitiens qui s'occupaient de la logistique. Et ils devaient payer 85 000 ducats ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus en fait de l'unité de monnaie qui était là. Mais quand il n'y a pas eu. Ils n'étaient pas très riches, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui est venu à cette croisade. C'était plus trop l'engouement. Ce qui fait qu'ils ont réussi à rassembler que 52 000 sur les 85 000. Et le Doge, Dandolo, qui était donc le Doge, c'est un des chefs de Venise. Un système électoral très intéressant avec tirage au sort, élection. C'est un autre sujet, mais c'est très intéressant. Dans cette cité vénitienne qui était tout à fait autonome,
Alors, eux, ben, le doge, il a dit, ben, ça va pas, vous pouvez pas partir, on n'est pas payé. Tant qu'on n'est pas payé, vous partez pas. Et là, ils ont négocié, et puis au bout d'un moment, il a dit, ok, vous pouvez partir, mais on devra s'arranger. Donc, il leur a dit, de 52 000 à 85 000, il y a une petite marge, vous êtes donc endetté. Et voilà, on retombe sur l'histoire de la dette. Et vous êtes endetté, vous devez donc me rembourser ça, mais je suis d'accord de temporiser. Et on temporise avec cette dette seulement sur ce principe, je vous laisse partir. Mais en échange, ben, ils doivent rembourser et il leur a aussi dit, prenez le port de Zara. Zara, c'est une ville en Dalmatie, c'est un peu la Croatie, je crois maintenant. Il devait aller prendre ce port, qui était un port rival en face, aussi des catholiques. Donc, c'est le pape qui envoie des gens pour aller massacrer du musulman. Et la première chose que les gars de la croisade font, c'est qu'ils vont massacrer du catholique pour reprendre le port, parce que sinon, ils n'ont pas droit au navire, ils ne peuvent pas partir, parce que sinon, on ne repousse pas leur dette plus loin. Donc, pour payer la dette, vont la payer de toute façon, mais plus tard, et encore plus tard, et pour repousser un peu plus loin. Eh bien, on leur demande d'aller massacrer des catholiques. Ce qui fait que le pape devient franc fou. Il dit, je vous ai pas envoyé massacrer du catholique. Il excommunie les croisés. Donc tous les gens les plus pieux d'Europe qui sont partis pour la croisade, eh bien, ils se font excommunier. Donc c'est déjà là parce qu'ils ont fait une connerie. Mais ils continuent encore, parce qu'ils doivent payer maintenant, ils doivent rembourser. Donc ils sont endettés. Et là, ils vont jusqu'à en chemin. Pour aller en Terre Sainte, il passe par Constantinople. Byzance, Constantinople, Istanbul actuellement. Et là, il y avait un empire qui était là, c'est l'Empire romain d'ailleurs, et tout d'un coup, il décide de reprendre la ville. Alors, les historiens se tapent dessus encore pour savoir quelles étaient les véritables raisons. Est-ce qu'il y avait déjà une volonté vénitienne? Parce qu'on sait que Venise était toujours un peu, avait été dépendant à un moment donné de cet empire, et puis qu'ils avaient une dent et un contre, et puis qu'ils auraient bien envie de reprendre. Mais aussi dit que dans l'équipe des croisés, il y avait un gars qui était, semble-t-il, un fils ou un neveu d'un autre qui était spolié, toute une histoire de famille, et puis qui voulait devenir chef à la place du chef. Donc, toujours est-il qu'ils sont arrangés, ils sont allés à Constantinople, ils ont assiégé la ville, ils ont pris la ville, ils ont massacré l'empereur qui était là en place, Alexis, qui était là, et ils en ont mis un autre à la place, qui lui n'a pas fait long non plus, mais. Donc, de nouveau, ils étaient à côté de la plaque, et les historiens se tapent dessus pour savoir pourquoi, mais là, moi je dis, c'est évident, c'est la dette. Les gens qui sont endettés, ils sont prêts à tout pour rembourser. Voilà, quand on te dit que tu dois payer des impôts, quand on te dit que tu dois payer plein de choses, ben, tu es prêt à tout, tu es prêt à aller bosser, même si c'est un truc qui n'est pas dans tes valeurs, pour pouvoir rembourser, pour pouvoir payer. Et on est dans toutes ces espèces de chaînes pyramidales qui font qu'on va rembourser une dette qui est totalement irremboursable et on est prêt à massacrer la nature, à massacrer nos voisins, juste pour ça. Donc voilà, ça c'est l'histoire de Constantinople, la quatrième croisade. Gros foirage. Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'est toujours pas sorti de ça. Dans les accords de Bretton Woods en 1945, il y a le FMI qui a été créé. Donc c'était dire que les États-Unis peuvent créer de la monnaie qui est une monnaie de référence pour le monde entier, qui est gagée sur l'or. Et puis ensuite, le FMI était garant que chacune des devises soit contrôlée avec une échelle de mesure très précise pour dire le taux de change ne va pas bouger, c'est un outil politique. Donc les gens à l'époque décider du taux de change. Et puis voilà que dans les années en 1971, le 15 août, voilà que Nixon a décidé que la conversion or, il ne la faisait plus. Tout ça pour pouvoir faire de la planche à billets, utiliser les bons du trésor inventés à Venise en 1200, pour se dire le futur sera meilleur, donc on peut générer plus de bons du trésor, on n'a pas besoin de cette couverture or qui nous limite. Et à ce moment-là, ben, c'était parti pour une nouvelle période. Et le FMI a perdu sa raison d'être parce que les cours sont devenus flottants. Donc, par rapport, c'est un peu l'offre et la demande en devises différentes. Donc il y a des devises en dollars, on les paye un peu plus partout dans le monde que si je viens avec mes kwacha du Malawi. Donc voilà, il y a des devises qui sont l'offre et la demande entre les devises, ce qui fait que ben, voilà, il y a des monnaies qui sont plus ou moins cher que d'autres. Donc avec tout ce système, le FMI n'a plus de raison d'être.
mais il s'est transformé en une espèce de machine à endetter le monde. Donc le FMI, le Fonds monétaire international, c'est en général, on dit que c'est la banque qui paye en dernier recours quand les banques ne veulent plus payer. On a un super exemple de l'Argentine qui, dans les années 2000, avait plein de soucis économiques. Puis ils sont arrivés au bout, les banques ne voulaient plus prêter de la monnaie, on ne pouvait plus rien faire. Et c'est là qu'à un moment donné, le FMI a débarqué, puis ils leur ont dit, on veut bien vous prêter, mais alors, il y a des conditions. C'est comme aller massacrer le port de Zara, aller reprendre le port de Zara, aller massacrer tous ces gens, mettre en esclavage. Il dit, en Argentine, en 2003, je crois, si je me souviens bien, il leur a dit, il faut tout libéraliser, il faut vendre. Alors en Argentine, il y a du gaz. Je lui dis, vendez le gaz, vendez l'eau, vendez l'électricité, tout ce qui était propriété de l'État est maintenant privé. Et c'est toutes des grosses banques qui ont racheté. Des banques, grosses banques internationales comme UBS par exemple, basée en Suisse, mais qui a racheté pas mal de choses dans le gaz en Argentine à cette période-là. Et ensuite, ils n'avaient plus rien. Et le FMI, ils étaient un peu embêtés parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Voilà. On peut mettre en esclavage les gens, mais bon. Ils ont déjà tout libéralisé, tout vendu. Et il y a tout un film qui s'appelle Memoria del Saqueo, Mémoire d'un saccage, qui explique tout ça, qui est très prenant. Et là, on voit vraiment que la dette, c'est toujours un outil maintenant pour pouvoir profiter d'endetter des gens. Ils ne s'en sont toujours pas sortis, mais ils ont tout vendu. Et vendu, quand on met des choses sur le marché qui ne l'étaient pas auparavant. Donc maintenant, le FMI est un outil à mettre en esclavage des gens et à vendre des ressources naturelles qui n'étaient pas sur le marché. Et ça, c'est vraiment la politique actuelle du FMI, tout le temps. Et on ne le sait pas vraiment, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est les recommandations du FMI. Alors il faut savoir que l'Argentine s'en est sortie à un moment donné en ne suivant plus les recommandations du FMI, mais en faisant exactement l'opposé. Donc comme quoi, ça marche aussi si on se débrouille soi-même. C'est vraiment pas la politique à suivre, celle du FMI. Mais l'histoire, en fait, c'est que quand on est endetté, on peut plus s'en sortir. Mais on peut annuler des dettes. Parce que justement, sur ce principe d'égalité, on peut se dire, là, on s'est fait avoir, on n'était pas égaux. Et c'est ce qu'a fait Rafael Correa en Équateur. Ils ont fait une bonne audite des dettes. Puis ils ont dit, ça, on veut plus, ça, on veut plus, ça, on veut plus, ça, on veut plus, on vire. Et c'est peut-être quelque chose qui a à faire à pas mal d'endroits. Personnellement, moi je suis tombé dans tout ça il y a longtemps, ça peut être je pense, en 2005, 2006, ouais, par là autour. J'avais acheté un super bouquin électronique, écran électrophorétique qui peut se lire en plein soleil comme ça, fantastique, j'étais le premier en Suisse romande à en avoir un. Et puis j'ai lu, je cherchais plein de choses à lire comme ça, et j'étais tombé sur les renseignements généreux, une association française qui fournit plein de renseignements très généreusement, très intéressants, dont notamment un petit livret appelé « La dette des pays du Sud ». Donc à l'époque, il y avait 2600 milliards de dettes des pays du Sud. Mais quand on dit « la dette », en fait, c'est de multiples dettes. Et c'est ça que j'avais compris à l'époque. C'est que dans plein de banques différentes, plein de dettes en tout genre, et puis toutes ces dettes, elles ont été contractées à des époques différentes, avec des taux différents, des machins très compliqués. Mais c'est ce qui permet aux pays d'Europe de vivre sur le dos des pays du Sud. Et notamment, ça m'avait frappé parce qu'il y avait cette histoire aussi de tsunami dans toute l'Asie, en Thaïlande notamment, là où il y avait eu un élan de solidarité de tous les gens qui avaient donné des milliards. Je sais plus, qu'il y avait quelque chose comme 2, 3, 4 milliards qui avaient été donnés à la Thaïlande pour se reconstruire par des gentils citoyens qui sont solidaires des autres citoyens de cette planète. Et puis, je me disais, c'est tellement stupide parce que dans la même année, les banques de chez nous vont récupérer 4 fois plus, c'était 16 milliards à l'époque, la dette, les intérêts de la dette à payer, et seulement les intérêts. Donc ok, il y a la solidarité des gens qui donnent et ils doivent rembourser 4 fois plus. Il aurait suffi en fait qu'on annule ces dettes, qu'on fasse autre chose pour qu'ils s'en sortent nettement mieux. Et ça, c'est toujours un principe, là, on maintient en esclavage des gens comme ça. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Et les pays africains ont l'habitude d'avoir 80% ou plus de pourcentage de leur budget qui est déjà pris pour payer chez nous, en Suisse, les pays du Nord, les banques, les pays qui ont des banques.
Et puis ensuite, ben, quand ils ont des aides, c'est les dirigeants qui les empochent et puis qui vont les remettre dans les banques en Suisse pour planquer leur fric. Donc avec un système comme ça, ben, c'est la dette. Il faut comprendre que c'est vraiment un outil qui nous piège et que l'égalité entre tous fait que voilà, on a décolonisé l'Afrique. Hein, Afrique, déjà le mot Afrique, pompe Afrique, hein, franchement. Ça donne, c'est la société occidentale. Oxy, ça vient de oxyre, tuer. Et la société occidentale utilise l'Afrique comme pompe Afrique. Enfin, voilà, je sais pas, les mots sont tellement parlants que des fois je me demande comment est-ce possible que ce soit si parlant. La langue des oiseaux, peut-être, je sais pas. Et cette histoire, en fait, en Afrique, tous ces pays sont super endettés. Et ils le restent, et ils le resteront, parce qu'on doit en vivre, parce que c'est ce qui nous amène chez nous. De quoi s'en sortir plutôt bien. Il y a un comité pour l'abolition de la dette et je pense que vraiment il faut qu'on sorte de tout ça. Donc il y a un mouvement maintenant avec les crypto-monnaies. On arrive dans ce balancier qui a déjà eu lieu au cours de l'histoire plusieurs fois, notamment Adam Smith qui a essayé de cacher toute l'histoire des dettes et puis qui a inventé la fable du troc pour éviter de dire que les gens avant ils faisaient du don contre don ou don dans une communauté de confiance avec des dettes, enregistrer des dettes, des bâtons de comptage, des tablettes d'argile. Et probablement qu'il a caché ça parce que c'était le type qui était obsédé par la dette, c'est mal. Et il avait tout à fait raison, mais du coup, il a généré un autre système avec des jetons de valeur, l'or et tout ça, qui n'était pas franchement mieux. Et là, bah, on en arrive encore à un de ces balanciers où on va se dire la valeur n'est plus dans la dette, mais la valeur est dans le jeton. Et là, c'est les crypto-monnaies qui débarquent chez nous. Et puis les crypto-monnaies, bah, c'est un peu le nouvel Eldorado sans dette. Donc avec le Libra, par exemple, Facebook va nous mettre en place tout un système où on n'aura plus de dettes. Et toutes ces banques centrales qui ne génèrent que des énormes dettes à n'en plus finir, qu'on ne remboursera jamais, parce que c'est juste impossible quand on voit que c'est abyssal comme ça. Mais comme c'est le seul moyen actuellement qu'on a pour créer de la monnaie, parce que ben, la banque centrale, elle est là pour motif de prendre ces fameux bons du Trésor inventés à Venise à l'époque, et puis de les rendre liquides sous forme d'une autre forme de dette en titrise, avec une grosse dette en plein de petites dettes, parce qu'un billet de banque n'est d'autre qu'une petite reconnaissance de dette. La Banque d'Angleterre avait un bâton de comptage qui notait les dettes de 1 300 000 livres que le roi avait reçues en 1694. Et puis, ben, elle n'a toujours pas été remboursée, cette dette, mais elle a été titrisée. Alors on peut dire qu'au lieu d'avoir une fois 1 000 000 sur un bâton, on a 1 000 000 de billets de 1, de 1 livre. Et puis, ben, comme ça circule. Et on paye qu'avec des reconnaissances de dette. On se transfère des reconnaissances de dette. On ne paye plus, on ne paye plus jamais. Donc on se transfère des reconnaissances de dette. Donc plus il y a de reconnaissances de dette, plus il y a de monnaie en circulation. Il faut juste qu'on trouve un moyen de faire différemment. Il y avait l'initiative Monnaie Pleine qui proposait à un moment donné de générer de la monnaie sans dette. Comme les pièces de Suisse sont générées sans dette. Hein. C'est la Confédération qui les émet. Et puis à un moment donné, la Banque nationale suisse les rachète. Donc voilà, ces petites pièces comme ça. Hop. Sans dette. Et ça fait déjà que la Confédération empoche un petit peu un pactole qu'elle vend à la Banque nationale, et la Banque nationale, elle, ben, se débrouille avec ses circuits de distribution. Donc voilà, c'est un peu cette histoire que j'avais envie de discuter. C'est ce principe de dette qui a été mis en place, qui a colonisé le monde, notamment ben, aussi après avoir colonisé les Amériques, qui avaient colonisé les Indes. Hein. On pensait aller aux Indes, donc il y a plein de gens qui ont fait la Compagnie des Indes. Alors il y avait la Compagnie des Indes. Néerlandaise, qui était en 1602 la plus grande compagnie du monde et qui est probablement toujours et encore la plus grande compagnie du monde, qui avait des armées à disposition et qui allait coloniser. Et les gens payaient en avance et ils demandaient du résultat. Donc forcément, voilà. Donc c'est des gens qui vendaient des dettes et puis ben, des gens qui achetaient des titres. Puis après, on fluctuait. C'est les premières bourses aussi qui sont faites à Amsterdam pour pouvoir financer tout ça. Financer ces trucs. Alors, c'est le système de John Law aussi qui a eu lieu en France. Lui, il voulait coloniser la Louisiane, il s'était gagé sur tous ces trucs-là, mais ça n'a pas bien marché parce que les opposants, je crois que c'est le duc de Bourbon et puis voilà, le prince Bourbon et le prince de Conti, je crois, enfin bref, qui eux ont spéculé à fond là-dessus, ils ont acheté beaucoup de titres pour faire monter, 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 puis après ils ont tout revendu d'un coup, schlac, pour que ça s'effondre, et puis dire que le système de John Law, ils n'en voulaient pas, parce que c'était eux qui étaient les grands maîtres de l'époque. Et voilà, bah ça c'est les histoires de toutes ces dettes, en fait.
Donc voilà, la dette, il faut faire vraiment attention. C'est quelque chose, mais avoir une dette envers les autres. Après, on remercie, puis on dit non, je te donne ça, puis il dit ah, merci, puis tu dis de rien. Ben, de rien, ça veut dire je ne l'ajouterai pas à mon carnet de dette. On a déjà dans le vocabulaire aussi des choses comme ça. Si on lit le bouquin de Grébert, il nous explique. Donc voilà, je vais te laisser méditer à tout ça, à toutes ces dettes. Alors, ben, il faudrait finir par se débarrasser de ça, puis se dire qu'on peut fonctionner dans le don, dans une communauté de confiance, et avoir vraiment cette confiance. On n'a pas besoin d'enregistrer entre nous les différentes relations, parce qu'après, ça génère des dettes. Ou alors, il faut toujours mettre un système qui remet à zéro tout le temps, comme le second principe de la thermodynamique, l'entropie. C'est ce que les rois de Lagash a fait en moins 2500 en mettant jubilé. On annule toute forme de dette. Donc voilà, je pense que là, on devrait arriver à quelque chose où il faut annuler toutes ces dettes. Alors, bon, il y a des théories conspirationnistes qui disent qu'on va arriver vers le grand reset, où ben, on va annuler toutes ces dettes, puis on va changer de système, peut-être avec une crypto-monnaie, tout d'un coup, pof, voilà, on aura une crypto-monnaie. Alors peut-être que Libra, c'est ça, Libra qui est censé nous rendre libres, ou rendre libres plutôt les milliardaires qui ont acheté les nœuds de cette crypto. On verra, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret, mais j'observe l'histoire et je me dis que c'est un peu une des probabilités qui pourrait bien arriver. Voilà, alors sors la matrice, on n'a pas besoin de tout ça. Vis dans la confiance, dans le don, et ce sera parfait. Garde l'esprit ouvert, à la prochaine. Ciao!